Bonsoir pour nous toutes, mesdames, messieurs. Bienvenue dans la troisième édition de Nouvelles Nous pour ce maintenant. Mes points n'ont gagné pour nous développer pour aujourd'hui. Hein. Magistrat principal de la commune Tabarla, Nis Simon, recevra gros actes de violence en bas même mari, Yves Léonard, dans la nuit 1er pour arriver 2 octobre, là, d'après avocat victime, là, Maître Mario Delcy. Victime là, a porté plainte matin dans le paquet Quoi des bouquets, d'après avocat. Conseiller parti Initéa Paul Denis estime équipe qui sous pouvoir pas bien gérer pays et ça fait pas d'accord pour même parti a été entré dans nouveau gouvernement même si majorité collègue Lio te voyé jeter position là. Ministre intérieur Jean-Marie Rinaldo Brunet redescend dans le Parlement dans pas trop longtemps pour capable explication sur un réseau qui a fait trafic visa en dans institution d'après député Deus Deronette. Responsable Radio Vision 2000 yo fêté hier mardi 23 ans depuis l'exister. Dans l'occasion, responsable yo pas manqué remercier tout le monde qui contribuait dans le succès média ça. Restez branché. En général, moun pa rien mais prend assurance. Vous considérez que son l'argent est jeté. Et pourtant, l'argent assurance est dans le budget ou à côté de l'argent kayak, l'argent manger. Il est là pour les deux travers son mauvais pas. Gardez tout à côté. Vous voyez comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Il n'y a assurance de vous, précaution pas capon. Les mal arrivés. Les faux amis flèrent à saison, a fait comme si vous pas de gens connaissent. Il n'y a assurance à prêter à faire au bout du jour, continuer à vivre la vie, quitter ce coup-là dans mes mains. Vivez en toute assurance. Merci parce qu'on était à suivre. N'apprenti dans le développement journal là, côté magistrat principal, la commune Tabarlan, Nis Simon recevra gros actes de violence en bas même mari, la Yves Léonard, dans la nuit 1er pour arriver 2 octobre, d'après avocat victime là, Maître Mario Delcy. D'après avocat, ce n'est pas la première fois Yves Léonard, qui proche président République là, il y a un mode de comportement ça, victime là, après le poté plainte, jeudi mercredi, en un paquet, tribunal, quoi des bouquets, d'après Mario Delcy. Avocat a répondu à la question nous, en côté déclaration. Assumer ça qui est là. Assumer publication fait yo et assumer publication yo parce que les vins croient que bien faut que ça les on et les décide maintenant là pour déposer une plainte formellement contre monsieur Yves Léonard pour violence que monsieur a exercé volontairement mes restes. Qui coûte un peu ça? N'importe quoi des bouquets? Il était passé dans la juridiction quoi des bouquets. Nous prenons le commissaire du gouvernement face à la responsabilité lui, en dépit de tout doute. C'est pas même commissaire ça qui était supposé à négocier un bataille avec pour dossier et corruption. Hein? Bon, écoutez, le parquet est indivisible. Moi, j'étais en communication matin là avec un substitut commissaire, je crois que c'est le substitut Guillaume Edler, et que l'été, que c'est lui-même et normalement qui va en charge de ce ça. Président commission droit femme dans chambre député yo Marie Gladys Saint-Jean lundi condamné Zaksa et puis mandé autorité yo prendre disposition pour empêcher mesdames yo continuer victime de zak violence sa yo dans société ya. Parlementaire encourager toute femme qui a subi violence pour yo porter plainte devant la justice. À nous suivre. On est chose bien là, nous pas qu'à continuer à compter de victimes. Encore, donc moi je crois que faut que la justice, et c'est ça moi en tant que président de commission conditions féminines, en tant que féministe, en tant que député de Jérémy, moi-même moi crois que c'est SOS ça marche. Il faut que la justice agisse, il faut agir vite pour que puis devant nous pas à compter cas. J'aime pas voulu que ça a passé, tant qu'en pile l'autre cas, côté que
moun nan li jwe de ou impunité. Conseiller parti unité yon Paul Denis estimé dirigeant haïtien yo pa pran aucune leçon nan incident 6 à 7 juillet passé yo. Ancien sénateur a déclaré équipe qui sous pouvoir pa bien géré pays ya et ça fait pas d'accord pour même unité té entré nan nouveau gouvernement même si majorité collègue li yo té voyé jeté position lan. An côté Kounia Paul Denis. Yo pa tenu aucun compte de sa part. Et il semblait, on voit la passance de tête, comme quoi, on voit, ils ont tout bon. Parce que, en tout cas, pour la population, ils ont tout faux. Et ils vont continuer, ils vont continuer la même politique-là, dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est ça que c'est l'enquête. Moi, je dis que ce gouvernement, que ce pouvoir, tout à coup, il prend à l'échec. Alors, moi, je ne vois pas pourquoi. Ils ont battu là-dedans. Bon, ils peuvent aller pour un chemin pour l'aller, on va échouer. Et puis moi-même, mal monté là-dedans. En l'autre côté, ancien ministre justice et sécurité publique l'a reproché autorité yo qui pas gain volonté d'après lui pour combattre la corruption dans le pays a. Et comme exemple, il dit pas gain suivi qui fait à rapport diverses commissions enquête préparée sous affaire corruption dans le pays a. En côté toujours. Ce pays n'est pas géré. Nous ne pouvons pas aller aucun côté. Tous les jours, nous avons des pays à la gueule. Et plus que jamais, les citoyens et les citoyennes de ces pays, c'est pour eux poser cette question, qui côté nous avons dirigé, nous, qui côté a mené nous? Est-ce que nous avons été constants, nous qui avons mené nous la gueule dans tout ce fond? Ou bien est-ce qu'on va se lever pour nous dire non, c'est assez, ça doit changer? C'est vos carrières de challenge. Et naturellement, il faut qu'on se focalise là-dessus, puisque on dit, il a, je dis, à la fin, il domine la réalité. Mais qu'on ne pas oublier, l'autre vol qui s'est fait depuis maintenant. C'est pour nous prendre, mais c'est pour nous prendre surtout. D'un coup, les gens qui ont été épinglés dans la quête de la commission administrative, dans le rapport, du rapport Paul Denis. Ministre intérieur Jean-Marie Rinaldo Brunet doit descendre dans Palman dans pas trop longtemps pour capable bail explication sur un réseau qui a fait trafic visa en dans institution an, d'après député Deus Deronette. Palmantea fait connaître trafiquant ça yo capable mandé un monde en sorti 1500 pour arriver $4,000 pour faire joindre un visa américain ou bien et canadien. En côté Deus Deronette qui t'a parlé comme ça dans micro Edlaine Vernal ak David Mercius. Le directeur général Fidel Monchéri qui nommé coordonnateur ça qui mettait monsieur Azam Sayo nous pas qu'on a qui titre qui qualité parce que seulement marqué dans do maillot jaune et brigade frontalier jeune de dire brigade frontalier qui écrit dans maillot et yo même yo gen zam nan men yo rasonné moun yo bousculé moun yo et yo violé droit moun yo qui a utilisé frontière là. Deuxième bagage qui gagne nous gagne un bon moun droit yo violé et des moun qui travaillent jodi dans le ministère intérieur et qui yo même tout yo ces victimes parce que le ministère intérieur tourne yon gros agence de voyage côté que yo vend visa yo bay visa soit pour ambassade Canada soit pour ambassade États-Unis et bagay ça li pété des gros scandales et me pense jodi un moun qui a travaillé comme cadre ou du moins comme employé dans le ministère intérieur, il est fort difficile pour y aller dans l'ambassade américaine pour sortir avec un visa de courtoisie. Parce que yo monte un réseau pour yo vendre des visas sous nom ministère intérieur qui a vu mon information, soit $1,500 jusqu'à $4,000 américains pour mon aller. Bah, il a fait des scandales et nous demander à ce que responsable dans l'État et surtout le président de la République là, prendre responsabilité en attendant que nous-mêmes nous invités de manière légale ministre intérieur pour venir faire explication sur ce qui a passé. Président commission éducation dans Sénat Denis Kado invité ministère éducation nationale mettait en bout dans processus nomination enseignant yo selon parlementaire responsable NFP yo de recruter enseignant yo sous compétence en façon pour capable renforcer système là. Denis Kado dans micro Edlaine Vernal ak David Mercius. L'autre problème c'est enseignant psugo. Problème là il demeure entier. Nous prenons la bataille pour nous garder encore une fois avec le gouvernement, comment nous sommes capables d'attaquer le problème ça et faire en sorte que les enseignants qui souffrent depuis bien longtemps,
si la dan yo gen éligible, c'est-à-dire qui gen qualification qui capable nommer, pourquoi pas ministère là pas arranger pour le faire nomination ça. Moi-même au niveau département maintenant, particulièrement dans NIP, ce que collègue là tout capable appuyer, gon catégorie d'enseignants qui gen 7 8 9 ans depuis ap travail qui pas jamais nommé. C'est des enseignants qui minimalement fait philo mais c'est dans des zones inaccessibles. Yo getan acquéri un ensemble d'expériences qui ta cap fait yo considéré comme des ayants droit. Yo gen problème de qualification. Moi même penser que faut nous trouver un modus côté enseignant ça yo ministère là qui fait prise en charge yo nommé yo en attendant que li ouvert une possibilité pour rentrer dans un programme de formation continue. Bon côté pas le président commission planification dans Sénat Sorel Jacinthe envisager rencontrer tout acteur yo dans l'idée pour que mesi capable prendre pour permettre un système là bien fonctionner. D'après monsieur Jacinthe, faut conseillant a toujours prendre formation pour capable améliorer qualité enseignement dans pays en côté. Mais jodi a au niveau de l'éducation nationale pour yon moun vin instituteur, yon mande deux bagay. Un, faut gen deux papiers ou plus ou moins philo, et en même temps, faut faire normalement comme instituteur. Ou bien, moun nan gen droit, li gen deux papiers yo, li sont universitaires, donc depuis le vle instituteur, la instituteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais gen des moun dans le temps, yon pas demandé deux papiers pour être capable gen normal là. Li gen normal là, li pas gen deux papiers. Et gagné pendant yon dans salle de classe là yo aller yo dégager yo gen papier filoa mais yo pas de gen normal là donc ça sénateur so, cadre so dia moi c'est une évaluation bon considération spéciale ta doit parler de 10 ans gen des moun qui gen 15 ans dans salle de classe yo ça y a faire yo connaît donc faut bon modus operandi pour connaît entre nous comment n'a résoudre problème ça yo donc nous croit que il y a pile plein sous question man dans salle de classe m'pa joine lettre point et pourtant m'pa joine nomination mais pourtant il y a des moun qui pat dans domaine là du tout joine lettre mais ça veut dire que yo répond à critère que yo mandé donc m'pense que faut moun yo plus ou moins comprendre n'a chita sous problème là nous te chita sous l'idée déjà nous va réchita avec tout acteur et surtout ministre de l'éducation nationale pour nous connaître ensemble comment on a résolu le problème ça. Responsable Radio Vision 2000 yo fêté hier Madian 23 ans depuis l'existé dans occasion assistant directeur général la station James Louis te bat bravo pour travail toute équipe là qui permettent Vision 2000 imposer la sous cadran depuis 23 l'année. Monsieur Louis pas te manquer remercier tout le monde qui contribué dans succès Radio Vision 2000 en suivi. Bon radio a fait 2 octobre 1995. Son ensemble d'actionnaires de bonne volonté qui était quoi non Haïti différent de saleté hier. Donc il fait Vision 2000 pour qu'il vienne porter travail là. C'est que travail de démocratie qui en dans pays a cap germé mais jusqu'à présent son bagage cap boumer pour prendre place c'est vrai. Donc travail non pas fini. Il fait 2 octobre 1995 et en décembre 2012 on lance télévision 2000. Son sentiment du travail accompli. Il n'est pas facile pour gérer mes en Haïti. Premièrement, par rapport à la situation économique paysan, situation sociale et politique. Donc, c'est pas une tâche facile, mais nous avons 23 ans et nous avons goûté un peu pour nous avoir plusieurs 23 ans encore. Travail est difficile, mais à équipe, nous avons une équipe solide, que ce soit à Port-au-Prince dans les villes. De toute façon, nous avons 7 stations régionales, plus Vision 2000 à Port-au-Prince et Télévision 2000. Donc nous, avec personne, nous faisons ça pour nous faire. Et nous comptons sur vous pour les années à venir. Perspective là, c'est toujours continuer le travail là. Parce que c'est un travail de dur labeur. Soit fait média, pas gain d'hominanger. Vous comprenez? Parce qu'on a une mission pour informer la population. En temps et lieu, faut que nous là pour informer vous. C'est là, journal nous finit, mesdames, messieurs. Nous te prenons plaisir pour nous informer. On a demandé où on était branché.